Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Allez! On y va! C'est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. Trouve la paix, esprit. Et quitte à jamais le monde des vivants. Hé, monsieur. Approchez pas du brouillard si vous tenez à la vie. Lunaire, Ablette. Au galop, Ablette. Fichez le camp. On veut pas de sorceleurs ici. On a assez souffert.
vous êtes sourd, fichez-moi le camp, maudit mutant. Pourquoi toute cette haine envers les sorceleurs? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Un de vos frères est venu ici et s'est goinfré pendant 2 jours avant de se décider à tuer notre monstre. Quand je lui ai demandé son prix, il a dit qu'il ne voulait pas d'argent car il savait qu'on était sans le sou. C'est très louable. C'est ce que je me suis dit, au début. Il a dit qu'il prendrait en paiement quelque chose que je possédais sans le savoir. Et puis il est parti. La porte était à peine fermée que ma fille éclate en sanglots. J'en peux plus qu'elle me dit. C'est trop dur. Continuez. La pauvre fille avait peur qu'un monstre tue le sorceleur. Tu pleurniches pour un mutant que je lui ai dit. C'est là qu'elle m'a tout avoué. Ce salopard l'avait ensorcelée avec son mauvais œil. Elle était là, sa récompense. Le bâtard d'un sorceleur. Si c'est un vrai sorceleur, vous n'avez rien à craindre. Nous ne pouvons pas procréer. Et Dieu soit loué. Vous êtes déjà bien assez nombreux comme ça. Mais ce gredin a tout de même culbuté ma fille sous mon propre toit, et ça, je ne peux pas lui pardonner. Dites-moi où le trouver. Je vais m'occuper de lui. Il est parti au cimetière pour tuer le monstre. J'espère que les nécrophages lui feront la peau à ce fornicateur. Le monstre de la nature. Plus intéressant en dégoûtant le nez. Vous avez un problème? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai même plus de toit sur la tête. Je suis la fille d'un noble. Pendant des années, je me suis occupée du manoir familial avec mon frère. Que s'est-il passé? Un homme s'est présenté un jour. Un chasseur, un vagabond. Et nous sommes vite tombés, fous amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés et j'ai quitté le manoir. Mais mon frère a mal vécu mon départ. Il n'est même pas venu me dire adieu. Des années plus tard, je suis revenue. Mais il avait disparu. Les gens disent que des monstres se sont installés dans le manoir. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas? Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre. Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal, tant que vous êtes honnête. La maison est à l'est, pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres, et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Mais que va-t-il vous rester? Un toit sur la tête, c'est tout ce qu'il me faut. Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre. Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais. Et puis, toute peine mérite salaire. Que les dieux vous gardent. Si c'est le mari, un disque sous les tous les soirs. Ah ! Je n'ai pas entendu le chasseur. C'est sans doute le manoir dont parlait la vieille femme. Yeah!
dirait des jumeaux. C'est sûrement le frère de la vieille femme. Curieux de savoir ce que ça ouvre. Quelqu'un a vécu ici. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Dolores. Briscard comme vous, ça doit savoir se battre. Arrêtez-moi. Que diriez-vous d'un petit combat contre Stan comme vous ? Vous revoilà ? Alors, qu'avez-vous découvert ? Il n'y a plus de danger. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor ? Oui, c'est une récompense plus que généreuse. Vous l'avez amplement mérité. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. Des ornières larges et profondes. Un chariot de marchand. Un marchand solitaire traversant Vélène. C'était couru d'avance. Du sang. Humain. Il n'a pas pu aller bien loin.
Des restes. Des tranches de viande, de catoblépa. Ça ne ressemble pas aux ingrédients d'un sort. Un rouge de zubaran, coteau ensoleillé, notes de fruits rouges et d'agrumes. Quel gâchis. Le paquet est intact. Je ne sens pas la moindre trace de magie. Kira me cache quelque chose. Gérald, tu commençais justement à me manquer. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de Zyricania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances ? Laisse-moi plutôt te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Tu m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, oust, dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable ? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, allez ! Sors d'ici. C'est une offre tentante ? Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi ? Tu veux transformer une citrouille en carrosse ? Non. Mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion. Tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas ? Tant qu'on y est. Bien, ne bouge pas. Ella Glan. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Le décolleté n'est pas trop sage ? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grive. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Bien joué.
Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Bœuf à la cannelle et aux clous de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin? Blanc ou... Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyer et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'œufs par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Je peux savoir comment. Ne le prends pas mal, mais à part l'agriculture, il n'y a pas grand-chose à faire à Velen. C'est vrai. Ce qui me laisse 2 options. Soit je fais pousser des navets, soit je quitte le pays. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Geralt. Tu as été formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire, j'espère que tu as tout brûlé. Les cages, les corps, les documents. En quoi est-ce que ça t'intéresse? Les études menées dans ce laboratoire sont révolutionnaires. Entre de mauvaises mains, un tel savoir serait très dangereux. Oh, pardonne-moi, Geralt. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis, ou plus, si affinités. Alors? C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. Vraiment? Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Bon, ça suffit. Kera, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Très bien. Ça fait ça de moins dégrafé. Très bien. Ça fait ça de moins dégrafé. Bon. Où est donc passée la petite Cendrillon? Tu m'as trouvé. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose. Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Kera, où est-ce que... Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? L'île de Fic, la tour.